Yep, pas tout le monde et bienvenue and welcome on yeppapote.global. Alors yeppapote.global, si vous avez écouté les précédentes présentations, vous avez compris que yeppapote.global repose sur des solutions d'entraide et de bonne conduite réglementaire. Voilà pour la politique majeure. Comment aider ? Il y a deux niveaux d'entraide. Il y a un premier niveau d'entraide qui repose sur une entraide, on va dire, d'ordre individuel, basée sur les limites de l'intelligence humaine de YEPA. Voilà. Donc, c'est la matrice 1 test help audio. Voilà. Donc, basée sur l'aide au regard du co-helping vivre et au regard du co-working entreprendre. Voilà. Alors malheureusement, les limites de l'entraide individuelle de YEPA sont néanmoins limitées. Pourquoi ? Parce que d'une, c'est un simple être humain, donc elle n'est pas parfaite, mais elle est perfectible. À côté, elle n'est pas experte et encore moins du droit juridique. Elle n'est absolument pas avocate ou absolument pas comptable ou rien du tout. Donc comme elle est rien, néanmoins, elle vit quand même dans un environnement qu'elle aimerait comprendre. Et c'est la raison pour laquelle elle a également créé un deuxième niveau d'entraide. Et ce deuxième niveau d'entraide s'appelle la place Coco. La place Coco vise à rassembler autour de l'intelligence humaine collective. Voilà, histoire d'augmenter en fait les opportunités individuelles par l'aide collective, histoire de diminuer les risques individuels, justement en étant capable de comparer l'aide collective et peut-être par là même être capable par la place Coco de rassembler des experts, bien que particulier également, mais rassembler des experts de la réglementation autour de vivre et entreprendre. Dans quelle volonté ? Dans la volonté d'harmoniser les connaissances. Voilà, aider les non-experts par les experts. Et de façon dynamique, une personne qui est non-expert peut devenir un expert et un expert peut devenir un non-expert dans un autre domaine. Donc le but est de compléter notre savoir, notre compréhension pour améliorer notre mieux vivre, pour améliorer notre mieux entreprendre et notre mieux comprendre le cadre dynamique de notre réglementation. Parce que même si on n'est pas un avocat, même si on n'est pas un expert du juridique, en tant que particulier, on évolue dans un environnement qui subit une dynamique de la pression réglementaire et on a également besoin de le comprendre, ce cadre réglementaire. Alors bien sûr, pour le comprendre, il y a les premiers tiers de confiance, mais avant tout, bien souvent, la communauté elle-même est capable de maîtriser certaines notions qui sont à mon sens des notions expertes. Et c'est là où l'espace Coco et la place Coco, voilà, a besoin de vous et elle compte sur vous justement pour donner un peu plus de valeur ajoutée à cette place Coco, voilà. Et peut-être par là même que vous pourrez aider beaucoup de personnes. Donc, que vous ayez des besoins ou que vous ayez des solutions, moi je vous dis, rendez-vous, place Coco, YEPA, pour vivre ensemble, justement dans le vivre en s'entraidant et le vivre en respectant le cadre réglementaire, mais également en le comprenant. Voilà, donc merci à tous les experts qui pourraient nous aider à mieux vivre, à mieux entreprendre et à essayer de mieux comprendre le cadre réglementaire dynamique dans lequel nous vivons. Je vous dis à bientôt et YEPA ! N'hésitez pas à vous aussi papoter global. Je vous dis à bientôt.